Ravi parce que c'est la première fois en RDC hein, qu'il y ait des formations sur l'entrepreneuriat social qui recoupent le minimum qui intervient sur la classe moyenne, la classe la plus pauvre, la classe la plus défavorisée, la classe exclue socialement et économiquement. Tu vois, hein? Et puis, non seulement cela, il y a aussi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, et les jeunes, et les leviers, tout le monde est confondu. On ne sait pas où commencer, où aller. Voilà, c'est ça l'idée même des KFF. D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs de cette formation en ligne. Ça nous a beaucoup aidé. Moi, je suis expert en matière de projet. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette formation parce que ça nous a permis de renchérir nos connaissances et la formation était vraiment très géniale, surtout on nous a appris comment créer et gérer son propre entreprise. On a dit les points forts, les points faibles. Nous pensons que la formation elle a été bénéfique pour nous. Et c'est une grande connaissance que nous avons eu à acquérir pendant, au courant de cette formation. Et surtout, ça nous a changé. C'est-à-dire, nous, avant la formation, n'est pas égal à nous après la formation. Voilà. Nous sommes vraiment pleins de joie et nous sommes contents d'avoir passé ces bons moments et nous estimons que prochainement ça va continuer comme ça, comme c'est des sessions prochaines, nous allons y assister afin de devenir des bons entrepreneurs et des bons managers dans le futur. Le message qu'on envoie à l'initiateur de cette formation est qu'il continue comme ça parce que notre pays a tant de problèmes à résoudre du côté de la création des entreprises et de gestion. Donc, toujours persévérer plutôt dans cette trajectoire afin que dans le futur, notre pays pourra aussi atteindre le niveau de la Chine, par exemple, qui est la première puissance économique actuellement. Les États-Unis et les grandes puissances économiques. Nous sommes là, nous sommes formés grâce à lui et nous sommes d'office ses partenaires qui pensent à nous, qui pensent aussi à rechercher de partenaires ça et là, surtout aux États-Unis, pour nous financer, pour soutenir les micro-projets que nous allons initier. Nous avons déjà la matière et les projets sont déjà en cours d'élaboration. Il y a certains projets qui sont déjà là, qui n'attendent que des financements.